ralentir, prendre le temps de vivre, opérer un retour aux sources, c'est la grande tendance. Une étude Procter & Gamble, publiée en 2016, montre que 75% des Français aspirent à passer plus de temps dans la nature. Une nature qui est associée très directement à la notion de bonheur et perçue comme un remède efficace contre le stress. Et dans les Pyrénées, avec une densité de population au kilomètre carré très inférieure à la moyenne nationale, ce retour à l'essentiel se fait naturellement. On décompresse, on se réénergise en regardant et en profitant de ce qui nous entoure, les grands espaces. Cette nature pyrénéenne s'étend sur 6 départements, plus de 400 km, un gigantesque trait d'union entre l'Atlantique et la Méditerranée, entre la France et l'Espagne. Allez, on vous emmène à la découverte de ces trésors. Premier exemple, l'hiver, en mode sportif, direction le lac des Bouillouses. On s'y rend en raquette ou installé dans un attelage emmené par des chiens de traîneau. Là-bas, vous construisez votre igloo grâce à des méthodes traditionnelles. L'été, vous pouvez passer la nuit dans des bulles transparentes au cœur de la forêt, à moins que votre choix ne se porte sur un tipi ou une yourte mongole. Les escapades que propose la Pyrénées Thérapie peuvent se faire à ski, à pied, en vélo, à cheval, à dos d'âne. On choisit son chemin, on adapte son rythme en fonction des saisons. Et si vous vous perdez au milieu des 45 000 hectares d'espaces protégés du Parc national des Pyrénées, vous pouvez toujours dormir au refuge du Larry, qui accueille les randonneurs en transit entre la vallée d'Aspe et d'Ossau. Attention, il n'y a que cette place. On s'émerveille en plein air, mais également sous terre. On explore la grotte de Bétarame, réputée pour être l'une des plus belles de France, ou la grotte de Lombrive, qui est rentrée dans le Guinness Book des records pour ses centaines de galeries. On s'aventure dans les grottes des Grandes Canalettes et de la Cova Bastera Preisto, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. La Pyrénées Thérapie permet même un retour aux sources jusqu'à la nuit des temps dans la grotte de Niau, trésor ancestral de l'Ariège, avec ses peintures datées de 14 000 ans. On peut aussi remonter le fil de l'histoire avec les 600 églises et chapelles qui parsèment le massif, les 4 grandes voies qui traversent les Pyrénées pour aller à Saint-Jacques-de-Compostelle, et bien sûr, la ville de Lourdes qui accueille chaque année plus de 6 millions de pèlerins venus des 4 coins du monde. Le retour aux sources fonctionne à plein et fait du bien, et ce, jusque dans nos assiettes. Des Pyrénées à Toulouse, c'est la région la mieux classée de France pour la superficie engagée en agriculture biologique et la 3e pour le nombre d'exploitations bio. Une démarche éco-responsable qui ravit nos papilles, mais pas que. Le producteur de lait d'ânesse bio de Sierpe-Gaux fabrique également des savons. Avec les brebis, on crée aussi des mohairs à Aulon. Enfin, il faut savoir que cette nature qui nous galvanise avec la Pyrénées Thérapie va être à nouveau sous le feu des projecteurs. James Bond a été le précurseur dans les Hautes-Pyrénées en 1997 avec le tournage de Demain ne meurt jamais. Les skieurs peuvent en profiter en dévalant la piste de ski 007 à Peyragudes. En 2019, c'est Robert Redford qui est annoncé dans les Pyrénées-Orientales avec la suite de « Et au milieu coule une rivière ». 26 ans plus tard, Brad Pitt se remet à la pêche à la mouche. Info ou intox, peu importe, les bienfaits que la Pyrénées Thérapie va vous procurer seront, eux à coup sûr, bien réels. Alors cap au sud-sud-ouest, direction les Pyrénées. On se retrouve là-bas.